Il y a quand même quelques éléments qui sont très intéressants pour nous. Le premier, c'est que cette population de Français expatriés est quand même de grande qualité. On le voit par le niveau d'éducation. On a 72%, je crois, qui ont bac plus 3. Elle est très largement active, hein, dans une proportion extrêmement élevée. Et puis, elle est très intégrée et très ouverte sur le monde, à la fois par la proportion très importante de conjoints qui sont internationaux et puis par la scolarisation des enfants. Donc, c'est une population, je pense, qui donne une très belle image de la France. Et je crois qu'il faut le souligner. C'est aussi une population, peut-être, beaucoup plus entrepreneuriale et dynamique qu'on ne pouvait l'imaginer. Et dans ce contexte-là, je pense que ça bat en brèche peut-être un stéréotype du Français expatrié cadre dans une entreprise du CAC 40. Puisqu'en fait, on a très peu de répondants qui sont dans ce cadre-là. Et on a 17% d'indépendants, de professions libérales, d'artisans, de commerçants, de chefs d'entreprise, ce qui est une population très importante et qui est une évolution que nous percevons, nous, très largement depuis une dizaine d'années.